Je te dis même pas, on est en train de chercher un endroit où on va bien pouvoir dormir. Alors, il n'y a peut-être pas Godefroy de Bouillon, je ne sais pas. En fait, je le sais quoi. Mais là, on va au château. Je te retrouve là-bas parce que franchement, ça grimpe un petit peu, je suis un petit peu fatigué. Allez, à tout à l'heure. Oui. Ah là là, je suis claqué. Crevé. Oui, c'est chouette, hein. Ah oui, c'est chouette. Franchement, ouais. On va vous faire une petite visite. Tranquille, tranquille. On verra bien ce que ça va donner. Et tu sais quoi? On est dans un bled paumé là. Mais paumé de chez paumé quoi. Il y a juste deux Pékins, ils sont juste derrière moi quoi. Tu vois? Nickel. Mais par contre, à part ça, t'arrives même pas à trouver un resto. Je te jure, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'il y en a plein, mais ils sont tous blindés quoi. T'as vu? Et en plus, je suis une star ici, hein. Je suis apprécié et tout, tu vois. Mais même avec ça, écoute, je trouve pas un seul resto. Mais attention, attention. Voilà, je viens de trouver une table. Paf. Dans 5 minutes, je viens de trouver une table. Ah ben voilà, c'est fait. Donc du coup, on va être obligé de reboire encore un petit coup. On va reboire un petit coup. Comme ça, ben, monsieur, ce ne sera pas dépassé pour rien. Aujourd'hui, jour 2, on a été à l'hôtel. Et là, je t'emmène au parc animalier de Bouillon. Et voilà, c'est la suite de la visite. Et du pays de Bouillon. Je me demande pas pourquoi ça s'appelle pays, c'est pas un pays en vérité, hein, je veux dire. Mais c'est comme ça, il appelle ça comme ça. Il y a le pays de Charleroi, avec les bières et tous ces trucs-là. Et puis là, il y a le pays de Bouillon, avec ses arbres et tout. Après donc, toi tu choisis celui dans lequel tu as envie d'aller. Allez, c'est parti pour la visite. Hein. Thank you.
Ciao, merci de ta visite.